Mon nom est Dougie. Ma nature est chimpanzé commun, mais j'ai la culture humaine. Vous autres humains, qui loin de la Terre planète vivez, sur ces grandes stations au milieu beau des étoiles éclatantes, vous vous demandez « Qui est ce singe génie si fameux auquel il fut appris de se vêtir, d'écrire, de lire et de parler ?» Loin dans le fond de la jungle, pardonnez mon parler, au très profond des six grandes forêts de la planète de Terre et du continent, que vous autres des humains avez laissé reposer dans la jachère, je fus né chimpanzé, singe et pour vous servir. Mais malheur de tristesse, ils rôdent des bûcherons dans la forêt du tropique, entre les bananiers, des braconniers. Ils marchent dans la forêt, longuent leur barbe, beaucoup de fusils. Ils tuèrent les dougies. Ils tuèrent un jour mon père, mort. Ils tuèrent un jour ma mère, morte. Dougie est triste. Il est jeune. Dougie pleure. Alors, monsieur le directeur Gardner, le très grand directeur du zoo de la Terre, avec moustache, est passé près de moi, avec la compagnie d'hommes scientifiques. Gentils. Ils ont dit « Mauvais sont les bûcherons, les braconniers. Pauvre Dougie. C'est un tout petit monkey et ils m'ont recueilli. Monsieur Gardner, le directeur, est un homme humain. C'est un homme scientifique avec une moustache qui étudie beaucoup chaque jour. Il réfléchit. Il avait sa femme, Madame Diane, et il avait sa fille aussi, Jeannette. Mais Madame Diane avait donné la naissance d'un beau, très beau petit bébé humain du nom de Donald, frère de Jeannette. Monsieur Gardner, directeur, a dit « Il faudra donner de l'éducation à Donald et Dougie, exactement pareil. Et ce sera une éducation d'humain. »